de notre rendez-vous de la nuit, celui des témoignages, des presque confidences, car il s'agit bien ici de se confier à l'antenne d'Europe 1 au 39-21, de confier en toute confiance ce qui vous agite, ce qui vous préoccupe, les fils d'une histoire entremêlée d'événements que nous cherchons à démêler ensemble. Et en ce troisième jour de nouvelle année, je voudrais vous engager à ne pas craindre les ruptures, les discontinuités ou les surprises. Tournons la page de 2015 et ouvrons celle de 2016 en nous rappelant que la grande histoire, comme nos histoires de vie, est faite de discontinuités, de renouveau, de ruptures heureuses. Il n'y a pas de fatalité dans le cycle des saisons, il n'y a que des devenirs pleins de surprises. Personne ne sait ce qu'il adviendra, mais chacun peut comprendre qu'il y a quelque chose à percevoir et à accueillir avec calme dans le repos de la conscience pour permettre, le moment venu, une action juste. Je vous souhaite de continuer, de vous inventer jour après jour sans vous lasser et tels des explorateurs emprunter de nouveaux chemins de pensée et d'action. Je suis là, à vos côtés, dans cette exploration pour vous aider à prendre corps à corps avec votre destin et découvrir avec vous vos potentialités inabouties. Allez, Corentin et Quentin, fidèles au poste, vous accueillent ce soir au 39-21 et c'est Andreas Papadian qui réalise cette émission. Si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur, n'oubliez pas que vous pouvez nous joindre pour intervenir en direct à l'antenne en appelant le 39-21. Vous pouvez aussi nous envoyer un texto au 739-21 précédé du mot nuit en majuscule ou nous écrire sur le site europe1.fr. Quant à ceux qui laissent des messages sur le répondeur, je le rappelle, n'oubliez pas votre numéro de téléphone pour être rappelé. J'attends vos appels au 39-21. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Tina. Bonsoir Sophie et merci de prendre mon appel. Et en ce début d'année, je vous souhaite tous mes bons voeux, voilà. Oui, moi aussi. Hein, et puis ainsi qu'à Quentin et Corentin qui sont charmants. Ils vous entendent. Oui, eh bien voilà. Donc ben, écoutez, moi je fais appel à vous Sophie pour avoir quelques conseils face à une situation qui est bloquée. Voilà, donc moi je suis mariée, nous avons 3 enfants. Adulte maintenant, en couple et marié avec des enfants. Et notre fils, nous ne voyons plus notre fils, il a coupé les ponts depuis presque 6 ans là maintenant. Et il a 3 enfants. C'est le fils aîné Non, c'est le dernier. Le dernier, oui. Voilà, oui. Et il a 3 enfants et nous ne les voyons pas non plus. Voilà. Alors bien sûr, pendant toutes ces années, là, nous avons relancé par des courriers et le dernier courrier de notre fils était en fin 2012 et il disait que non, qu'il ne voyait pas l'intérêt de nous revoir sinon pour nous dire des choses désagréables et qu'il ne voulait plus avoir de contact avec nous. Voilà. En revanche, il ne nous empêchait pas de voir ses enfants. Alors, nous avons demandé à les voir et nous les avons vus un petit peu. En 2 ans, on a dû les voir peut-être 5-6 fois. Mmh. Et puis là, depuis l'année dernière, c'était à Noël dernier, rupture, plus du tout de nouvelles, parce que pendant toutes ces années, nous avons évidemment fait des courriers postaux et puis on avait une adresse mail et là, ça communiquait pour avoir les rendez-vous avec les petits-enfants. Il y avait des réponses par mail. Vous aviez un contact avec votre belle-fille? Non, pas du tout. Uniquement... Pour les rendez-vous, pour voir les enfants. Voilà, oui, oui. Et au début, il y avait des bonjours, des merci, enfin... Il y avait quand même une petite formule de politesse, puis après, c'était vraiment très sec. Quel rôle jouent vos deux autres enfants dans cette histoire? Au début, ce sont des filles. Hein. Nos filles envoyaient des petits messages, mais qui restaient sans réponse. Alors, évidemment, elles se sont lassées. Elles non plus, elles voient pas leur frère? Non, personne, non. Ah, il a coupé les ponts avec la famille. Avec la famille. Et elles en pensent quoi, vos filles? Comment vous et vos filles et votre mari, vous expliquez cette rupture? Qu'est-ce que vous en pensez?
Parce que bon, notre fils s'est marié très jeune et il nous a averti son mariage, il avait convenu de la date et nous ne connaissions pas, nous n'avions jamais vu sa future femme. Bon, donc ça a été vraiment un grand choc pour nous parce qu'il était jeune, il rentrait dans la vie active. Et ce qui s'est passé, c'est, alors on lui dit, mais réfléchis bien, tu peux peut-être vivre, enfin vous pouvez peut-être vivre comme ça. Non, non, on veut fonder une famille. Et notre belle-fille a été aussitôt enceinte. La grossesse ne se passait pas très bien. Et le petit bébé est mort à la naissance. Voilà, c'est donc triste. Ça a été un gros choc. Oui. Et puis, en fin de compte, nous avons fait une grosse erreur parce qu'à l'époque, mon mari avait été muté et nous n'habitions plus dans la ville de nos enfants. Oui. Et nous ne sommes pas allés aux obsèques. Voilà. Oui. Alors, donc, il y a eu une coupure. Là, et c'est à ce moment-là. Vous pensez qu'il vous en veut de ça? Alors, je pense. Parce qu'il y a eu une coupure de presque deux... un peu plus d'un an. Mais vous avez expliqué que vous ne pouviez pas venir, vous avez appelé, oui. Oui. Et en fin de compte, personne de la famille n'est venu. De notre fils. Les filles non plus. Non, filles non plus. Non, parce que elles n'étaient pas sur place. Oui, mais bon, c'est pas. Ouais. Vous voyez, c'est pas parce qu'on n'est pas sur place que. En tout cas, il n'y avait personne. Ouais. En tout cas, il n'y avait personne. Et un jour. Nous avons reçu à faire part et c'était, ils nous annonçaient la naissance de leur deuxième enfant, qui était notre premier petit enfant pour nous. Et aussitôt, on a répondu une petite carte et qu'on souhaitait bien faire, qu'on serait très heureux de faire sa connaissance. Et donc, c'est notre belle-fille qui était venue à l'époque avec sa maman nous la présenter. Et puis après, notre fils est revenu. Et ils ont eu deux autres enfants. Et puis, en fin de compte, tout est revenu dans l'ordre. On s'en est expliqué. Et puis, vraiment, tout était bien revenu. Ah, tout était bien revenu, donc. Ah oui. Oui, oui. Et puis, voilà que, il y a 6 ans, des problèmes un peu dans le couple. Ils avaient besoin de se retrouver pour faire le point. Et on avait gardé les petits pour qu'ils se permettent un week-end tous les deux. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça n'allait peut-être pas encore trop dans la semaine. Et on a vu notre fils, enfin, mon mari a vu notre belle-fille un soir qui, en voiture, il l'avait croisée. Et ils se sont arrêtés et en fin de compte, elle recherchait notre fils qui n'était pas encore entré. Et donc mon mari me dit, viens, on va essayer de voir si dans le bourg on ne le voit pas. Ah, parce que là, du coup, vous habitiez pas loin, d'accord, de nouveau. Voilà, nous étions revenus. Et effectivement, nous avons vu notre fils qui était avec un petit peu gay, quoi. Alors mon mari... on fait des erreurs, ça c'est sûr, parce que au lieu de lui dire viens, on va te ramener, mon mari a baissé la vitre et puis il lui a dit rentre chez toi, ta femme t'attend. Et là, ça a été la coupure, on n'a plus entendu parler de rien. Oui, il y a comme une non-assistance dans des moments difficiles qu'a vécu votre fils entre la perte de ce premier enfant et le moment où il est pas bien un soir et il croise son père et son père lui dit de rentrer chez lui. Voilà. Oui. Et donc depuis ce temps-là. Il y a eu la coupure. Mais à chaque fois, parce que effectivement, vous avez raison, on fait parfois des maladresses et on comprend pas la portée de nos actes ou de nos non-actes. Mais est-ce que vous avez pu vous en expliquer après, en parler quand il y a du dialogue, vous voyez les choses. Non, parce qu'en fin de compte, on s'est pas revu. Oui, mais est-ce que vous avez pu, avec la conscience que vous avez... Dans un courrier, dans un ou plusieurs courriers. Ou plusieurs courriers, oui. Oui, bien sûr. Oui. Oui, oui.
Et là, il répond pas au courrier. Oui. Non, bah, sauf, je vous dis, en 2012, là, il a dit que ce serait pour nous dire des choses désagréables et non, qu'il souhaitait plus. Et qu'est-ce que vous avez répondu à ça quand il a dit ce serait pour dire des choses désagréables? Eh ben, en fin de compte, on a, et c'est dans, parce que c'est dans ce courrier aussi qu'il disait qu'on pouvait avoir nos petits-enfants. Donc, ben, on a demandé à voir nos petits-enfants, mais je crois qu'on a, on a rien dit, hein. Non. Oui. Ah non, oui, bah, vous êtes, on était vous êtes, tellement. Oui, abasourdi peut-être, ben oui, c'est ça. Mais on avait quand même, si, on avait quand même demandé à se rencontrer, même dans un endroit neutre, pour pouvoir discuter. Et non, il n'y a pas parce eu parce qu'il est possible de dire, ben oui, mais on préfère entendre des choses désagréables que de ne plus voir du tout. Eh ben oui, c'est oui. Ça, parce que ce qui est dur oui. Pour nous aussi, c'est qu'on n'a jamais pu ben, crever l'abcès. Ben bien sûr, bien sûr. Oui. Et que le conflit, c'est aussi la vie. Hein. Quelquefois, ben oui. On a besoin de rentrer dans des conflits et de se dire les choses, ben aussi oui. Difficiles soient-elles à entendre, à recevoir. Mais c'est aussi comme ça qu'on avance. Oui, alors, voilà. si vous appelez ce soir Tina, c'est qu'est-ce qui voilà, qu'est-ce que vous, quelle solution, qu'est-ce que vous recherchez en fait? Eh ben voilà, justement. Oui. Je voulais voir un petit peu avec vous parce que vous donnez de bons conseils. Comment pouvons-nous agir? Oui. Parce que, alors, nous n'avons pas rompu le lien. À chaque anniversaire des petits-enfants, nous envoyons une carte avec un petit cadeau. Et là, Noël, dernièrement, nous avons envoyé un paquet à chacun. Bon, mais il n'y a pas de réponse. Hein. Et dans la carte, moi, je demande, enfin, je souhaitais avoir des nouvelles, mais non, on a, là, jusqu'à présent, on n'a pas de réponse. Et je ne pense pas qu'on en ait. Et si vous, j'allais dire, vous retentez un contact, mais d'un peu d'un autre ordre, pour dire un peu ce que vous êtes en train de me dire, de dire que la situation est douloureuse pour vous, que vous la gérez autant que faire se peut en voyant les enfants, en envoyant des cadeaux, mais qu'en fait ça vous va pas comme ça, et que vous êtes prêts tous les deux à entendre, s'il est d'accord, hein, bien sûr, les choses désagréables qu'il a à dire, et peut-être que ça lui ferait du bien, et même très certainement, et à vous aussi de les entendre, et que vous préférez que les choses se disent plutôt que de rester dans ce silence et ces faux-semblants un peu douloureux. Mais un oui, peu, beaucoup ça. Même. Mais oui, oui, oui. Vous voyez, quelque chose de très simple comme ça, oui. Mais de l'inviter à dire, voilà, on est prêt à t'entendre, parce que là, ce qu'on vit depuis des années, ça n'a pas de sens. Et qu'en plus, lui, adulte, il porte aussi, parce que porter le conflit comme ça, si longtemps, envers mais ses oui. Parents, c'est lourd aussi pour lui. Oui, bien sûr, oui. Oui, oui. Et avec des parents tels que je vous entends, vous, qui sont prêts à accueillir d'éventuelles choses difficiles à entendre, parce que moi j'entends beaucoup de compréhension de votre part, oui, peut-être oui. qu'il n'en a pas conscience de ça. Mais oui, c'est ça. Que, hein. que vous préférez voyez, entendre ces fameuses choses désagréables que ce silence assourdissant. Oui. Alors, parce que notre fille qui a des enfants, lorsque c'était l'anniversaire des petits, notre belle-fille envoyait un petit mail pour les anniversaires, pour souhaiter l'anniversaire. Et puis c'est pareil, ça a été coupé presque du jour au lendemain, plus de nouvelles. C'est ça qui est dur. Mais notre belle-fille, c'est une jeune femme qui n'a pas eu une jeunesse facile, parce que sa maman, elle était très dépressive et d'ailleurs elle s'est suicidée. Le deuxième enfant est né. Oui. Et voilà. Et donc raison de plus pour avoir aussi besoin d'une famille qui accueille ben oui. Tout ça. Mais oui, oui, oui. Et je sais que c'était conflictuel dans sa famille parce qu'elle n'a pas connu ses grands-parents. Ses parents étaient. Et je me dis en fin de compte, elle refait un peu aussi. Oui, vous voulez dire qu'elle a du mal du coup à être en lien au sein d'une famille, mais oui. On pourrait aussi penser le contraire. Vous voyez, là vous donnez une explication, pourquoi pas, mais on pourrait aussi imaginer une jeune femme qui est au contraire besoin d'une famille accueillante. Alors, je ne sais pas si l'explication est là, elle est sûrement dans votre fratrie. Vos filles en pensent quoi de l'attitude de leur frère? Ça se passe bien avec vos filles? Ah oui. Oui, très bien. Ah oui. Oui. Oui, 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 oui. Elles en souffrent aussi, vos filles? Oui, qu'est-ce qu'elles oui, en pensent? Oui, 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 elles en souffrent, oui. Et elles, quelles démarches elles ont? Non, elles rien, ont non, parce que
comme je vous disais, elles envoyaient des petits messages et puis il n'y avait pas de réponse. Oui, mais vous voyez, dans tous ces petits messages, c'est un peu comme si de rien n'était. On envoie des petits messages, des cartes, des petits cadeaux, un peu comme si la relation était entre guillemets, enfin normale, où la relation existait. Et du coup, on fait comme si. Mais pendant ce temps-là, on ne peut pas faire comme si, parce qu'il y a un vrai conflit larvé. Et du coup, par moment, les autres répondent, par moment, ils ne répondent pas, mais l'important n'est pas traité, n'est pas... Donc, c'est, voilà, comme on dit, c'est un cutter sur une jambe de bois, quoi, vos petits mots. Eh oui, c'est ça. Hein, oui. C'est des faux semblants. Il y a Sergio qui demande, et à l'anniversaire de votre fils, vous avez aussi envoyé une carte ? Alors, cette année, je ne l'ai pas fait. Ouais. Bon, après, je l'ai regretté. Je me suis dit, j'aurais dû quand même. Mais là, il y a des fois aussi, oui. Vous braquez aussi de votre côté. Mais on peut comprendre ça, parce que, bon, en désespoir de cause, vous finissez par vous dire, bon, je lâche l'affaire, quoi. On n'y arrivera pas. Voilà. Ouais. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, en début d'année, là, parce que l'année dernière, on avait envoyé nos voeux, puis j'avais redit, essayons de repartir sur des bonnes bases, voyons vers l'avenir, plutôt que de ressasser le passé, mais... Ouais. Il n'y a pas eu d'écho. Non, je comprends. Non, non. Mais il n'est pas ressassé le passé, justement. Donc, il a besoin d'être, en tout cas pas ressassé, mais revisité. Vous le ressassez de votre côté, lui peut-être aussi, et c'est bien ça le problème. Mais là, c'est une bonne initiative de votre part et une bonne idée qu'en ce début d'année... de réécrire, j'ai envie de vous dire encore une lettre, mais pas de la même façon, en tout cas pas de la même teneur que jusqu'à présent, et de dire exactement ce que vous venez de me dire en disant on essaye de garder le lien tant bien que mal, mais finalement, si je me souviens bien de ta dernière lettre, tu disais que tu avais des choses désagréables à nous dire, on a cheminé depuis et on préfère les entendre que d'entendre ton silence qui est trop douloureux. Voilà. Et je crois que ce serait bien que vos filles aussi fassent quelque chose. Ah oui. Du mais même moi, ordre. Bon, mais comme elles sont adultes, ça, je n'ose pas leur... Si, leur mais si, c'est leur frère et vous êtes une famille et c'est une fratrie. Mais oui. Et la fratrie peut beaucoup quand il y a un problème avec les parents. Mais oui. C'est important dans ces cas-là, les sœurs. Elles pourraient même essayer d'aller le voir, de prendre un verre avec lui, d'un repas avec lui. C'est ce qui avait été prévu il y a 2 ans. Et puis, avec notre fille qui a des enfants, et ça ne s'est pas fait, bon, toujours pareil, parce que timing, emploi du temps, mais ils devaient se voir. Vous voyez, à chaque fois, vous me dites qu'il y a un problème de distance, un problème de timing, d'emploi du temps, un des problèmes un peu idiots, quoi. Ce qui prouve bien que ça fâche, ce qui prouve bien que c'est pas facile. Mais ça, on s'en doute que c'est pas facile. Mais voilà, si vous pouvez démarrer 2016 avec une belle énergie, vous et vos filles, de dire maintenant, on a un objectif, c'est une réconciliation d'une certaine manière, c'est celle qui est possible. Alors ce sera pas évidemment tout rose tout de suite, mais en tout cas de se dire les choses, ne serait-ce que pour lui aussi. Oui. Et alors, ce qu'il y a, c'est que lorsque nous avons revu nos petits-enfants, une fois, nos autres petits-enfants étaient ensemble, et cette fois-ci, ils étaient restés dormir. Ça a été la seule fois. Les enfants de notre fille réclament souvent. Mais quand est-ce qu'on va aller voir nos cousins Bien sûr, parce que vous créez là un problème avec la génération suivante. Que entre les cousins, ça crée quand même un problème dans la famille. Il y a Mouette qui dit, qu'est-ce que vous penseriez aussi d'une démarche du père, un premier contact avec son fils ? Ben oui, mais mon mari, il a été un petit peu bloqué. Il a plus envie tellement de... Ouais, mais vous voyez, c'est là aussi où, quand vous me dites, vous n'avez pas pu vous déplacer pour les obsèques du bébé, les filles, elles n'ont pas pu voir leur frère alors que c'était un peu prévu. Il y a plein de choses où lui, qu'est-ce qu'il interprète ? Il interprète ça comme un manque d'amour. Et si votre mari, son père, se braque aussi, 2016, vous allez ouvrir un peu votre cœur, Tina, et celui de votre époux aussi. C'est votre fils. Essayez pas de faire de la psychologie autour de votre belle-fille, comme dit un auditeur, mais d'essayer de rentrer en empathie parce qu'il est sûrement en grande souffrance, et juste d'écouter ça sans vous sentir coupable. On fait des erreurs avec des enfants, et un jour, nos enfants viennent nous dire que on a été nuls là-dessus, mais
Mais on peut l'accueillir, ça. On peut l'accueillir. Oui. Hein. Donc, nous faisons un courrier. Oui. En disant que le conflit vaut mieux que le silence. Oui, voilà. Et que vous êtes prêt à entendre tout ce qui sera désagréable à dire, et y compris avec vos filles. Oui. D'accord ? Très bien. Bon courage à vous, Tina. Et merci. Allez chercher beaucoup d'amour dans votre cœur. Ça va vous aider. Oui, vous merci en avez. Beaucoup, Sophie. Au revoir. Merci. Au revoir, Tina. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Pour parler à Sophie Peters, appelez le 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir, Jean-Marc. Bonsoir, Sophie. Bienvenue. Nous nous sommes parlé en août. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Alors, j'étais d'humeur excusez-moi, je cherche mes mots. Oui. Non, mais j'étais assez enjoué en mois d'août et tout ça. Là, je suis un peu plus sombre. Oui. Parce que je traverse des choses difficiles, mais pas désespéré en même temps. Pas complètement désespéré. J'ai beaucoup de choses à vous dire parce que vous m'avez accompagné là au moment des attentats. Je vous ai vu à la télévision. Oui. J'ai acheté votre livre. Ben, merci. Et puis d'ailleurs j'en fais la publicité parce que je sais pas, vous m'avez rejoint parce que dès que je l'ai ouvert, j'ai vu Frankel, Jung, tout ça. En fait, tout ce qui j'ai l'impression que j'ai été écrit pour moi un peu. Formidable. Des auteurs avec lesquels vous cheminez aussi. Oui. J'ai une grande proximité avec vous, je ne sais pas pourquoi. J'ai un long parcours de psychothérapie. D'ailleurs, on peut commencer par là. J'ai une psychothérapie que je suis depuis 25 ans. Oui. Et je dis 25, oui, parce qu'elle s'est terminée quelque part, parce que je l'ai soldée. Oui. Il y a un moment de... C'est très bizarre d'ailleurs quand ça arrive. Hein. Oui. C'est pas facile, hein. On tourne une page. Il y a une rupture. Il y a un moment donné, on vous dit, vous avez tous les outils à vous de jouer, à vous de faire. Oui, oui. Ouais, alors, j'ai le droit d'y retourner, hein, si ça... Bien sûr. Non, mais c'est un petit moment de flottement. Comme vous dites, il y a tous les outils. Voilà, il faut y aller, quoi. Il faut faire. Il faut marcher tout seul. Oui. Et puis, je crois que c'était... c'est pas... D'ailleurs, c'est pas une histoire d'ego ou de me vanter. Non. Mais c'est qu'à l'époque, si vous voulez... Parce que je présente, au départ, cliniquement, une schizodystémie. Mais c'est soigné, hein, ça se soigne. J'ai un psychiatre, j'ai des médicaments, très peu, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, à l'époque, la psychothérapie de soutien sur ces cas-là, c'était relativement... On hésitait un petit peu, on y allait doucement. Oui, c'est vrai. Et j'ai eu la chance d'en rencontrer une psychothérapeute qui était assez nouvelle dans le métier, qui n'était pas une personne jeune déjà, mais... Et puis elle a dit banco, et je l'ai jamais lâché, elle ne m'a jamais lâché. Quoi, en même temps, je crois que je suis une belle réussite, quoi, quelque part. Je veux dire, j'ai réussi au moins quelque chose dans ma vie, c'est ma thérapie et tout ça, au moins ça, je ne sais pas, il y a eu un chemin, vraiment. Oui, quand vous dites j'ai réussi ma thérapie, c'est ce que j'entends, c'est effectivement j'ai réussi un chemin. Je vois un avant, un pendant, un après. J'ai une vision sur quelque chose qui s'est passé. J'ai à peu près tout raté dans ma vie, si on va par là. Quand t'as 22 ans, tout s'arrête. Oui. Surtout dans les années 80, c'était... Bon, je veux pas revenir de trop dessus, mais c'est un cataclysme. Hein. Je veux dire, tout bascule, quoi. Faut quand même le dire, c'est violent. Pire, dans les années 80, c'était très violent. Parce qu'il n'y avait pas tellement de produits pour calmer le jeu, ou des produits qui étaient lourds. Il n'y avait pas tellement une prise en compte. Enfin, justement, une aide psychothérapique et tout ça, c'était assez léger. Puis moi, c'était mal compris. Hein. Enfin, je veux dire, ma famille n'a pas compris. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Ouais, mais enfin, il faut croire que la persévérance et le fait que j'ai toujours joué franc jeu et que j'ai toujours suivi le traitement et que j'ai toujours joué, que j'ai toujours respecté tout ça, ça a payé au bout du compte quand même. Mais... Bien sûr, et c'est courageux. Alors, rapidement, pour rentrer après dans le vif du sujet, c'est que j'ai perdu ma maman il y a 3 ans. Qui était elle-même atteinte du même mal. Enfin, je crois qu'il y a une donnée... génétique, hein, dans...
Oui, parfois. On avait, je ne sais pas si vous avez écouté l'émission vendredi soir, on avait Étienne, qui était un jeune homme qui voulait diagnostiquer schizophrène, qui voulait justement témoigner. J'ai adoré son témoignage. Oui, voilà. Pour moi je suis de cette race-là, quoi. On est tout. Voilà. Je pense que je suis pas un monstre, je suis pas. Oui, et son témoignage était très juste pour parler à la fois du soin, du chemin, de la bataille. Et que c'est vrai que le côté schizo tombait dans le langage courant qui a tendance à créer comme ça des étiquettes sur les individus et à les classer dans c'est des dingues, c'est révoltant forcément pour ceux comme vous, comme lui, qui se battent avec cette pathologie. Et c'est bien de pouvoir en témoigner. C'est la majorité d'entre nous. Évidemment. Qui sont comme ça, évidemment. Oui. Et mon psychiatre, il me dit, mais attendez, mais c'est presque, je pense, des gens en grande souffrance, des sensibilités à fleur de peau, des artistes nés, enfin, je veux dire, c'est quand même c'est des fragilités comme ça. Moi, je suis quelqu'un d'assez, enfin, je pense que ça se sent, je suis toujours sur la brèche un petit peu quand même. Mais voilà, puis je crois qu'en même temps, il n'y a que du. Pour ceux qui me connaissent, ils voient bien qu'il y a, il y a une vraie profondeur, il y a une vraie quête. C'est ces fragilités qui nous rendent si humains, hein, quand on les regarde en face. Ouais, mais évidemment, moi après, c'est ce que me disait ma sœur, qui est quand même descendue, parce que j'ai un papa, donc maintenant qui est, on va dire, mourant. Oui, c'est de ça dont vous vouliez parler, je crois. Elle est venue de Paris pour me voir, et donc, c'est ce qu'elle disait, elle dit, mais toi, comme t'as pas une vie active, t'as pas eu tout ça... moi, je suis toujours à fleur. Je mentalise beaucoup, puis quand j'interviens dans la réalité avec les vrais gens, j'ai tellement déjà ruminé le truc que je sors déjà. Je rentre en contact avec les gens, mais ils comprennent pas où j'en suis de ma réflexion. Il faut qu'ils. Oui, parce qu'il y a comme un trop plein. C'est ce qu'on entend là. Il y a comme un trop plein. C'est que tout d'un coup, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire qui ont été beaucoup, beaucoup pensées. C'est ça. Et alors, des fois, vous avez pas. C'est vrai qu'on ne rentre pas forcément en face tout de suite avec l'interlocuteur. Il faut que lui, il se mette au. Parce que moi, des fois, j'interviens au moment où j'en suis de ma réflexion. Il faut qu'ils quand même comprennent du départ. Ils n'ont pas tous les éléments, souvent. Ouais. Et je me gaufre assez souvent, quand même. Ouais. Et vous vouliez parler de votre papa, justement, ce soir. Parce que c'est la fin de vie. Et là, c'est dur. C'est juste dur. Moi, je comprends pas comment. Enfin, je peux paraître ambivalent parce que j'aime beaucoup mon père. En plus, je crois que je le découvre finalement, et je ne vois qu'un corps se décomposer avec un souffle de vie comme ça, et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et moi, je comprendrais bien qu'il est âgé et tout ça, qu'il va partir. Mais il part pas, quoi, c'est ça. Puis les médecins me disent non, c'est pas de l'acharnement thérapeutique, mais enfin en même temps, il est soigné. Bon, ça je comprends. Prise en charge de l'univers, mais toujours à minima, quoi. Donc alors il est là, il dure. Pauvre homme, c'est plus qu'un souffle, c'est plus. Moi je ne connais plus mon père, je vois des jambes, c'est juste des os, et puis c'est plus. Je veux dire qu'il est en train de pourrir, quoi. Enfin, c'est juste dur, quoi. Oui, c'est dur pour vous, en fait, de voir ce père. Et vous venez de dire quelque chose de très touchant et troublant à la fois, de dire je le découvre maintenant. C'est souvent dans ces moments de fin de vie, comme ça, des proches, où quelque chose nous apparaît de toute la fragilité qu'ils portaient en eux et qu'on n'a pas vu parce que c'était nos parents, en fait. Oui, alors moi, évidemment, je vous dis que j'ai perdu ma mère il y a 3 ans. Oui. Elle est morte. En fait, elle était malade, hein, mais elle ne s'est jamais soignée. Mm-hmm. Ça a été un espèce de tyran domestique. Elle a fait des dégâts monstrueux. Hein. Moi, au cours de ma psychothérapie, j'ai découvert des lièvres là, qui m'ont sauté à la figure. Mais moi, elle m'a bousillé, ma mère. Hein, elle m'a complètement bousillé. Ma sœur a été bousillée. Mon père a été bousillé. Enfin, elle a tout bousillé, quoi. Mm-hmm. C'est tout. J'ai une colère envers cette mère partie. J'ai de la colère. Et quelqu'un m'a dit, mais jusqu'à elle-même, d'ailleurs. Jusqu'à elle-même, c'est ce qu'on comprend. Elle s'est détruite également elle-même, non ? Pardon, j'ai pas compris. Elle s'est détruite également elle-même. Elle a tout bousillé jusqu'à elle-même. Oui, elle a fini dans des angoisses délirantes et elle est morte. Je crois qu'il n'y avait plus d'issue, de toute façon, il fallait qu'elle s'en aille, mais c'est malheureux à dire. C'est dur, en plus, parce que c'est quand même. On est la chair de cette femme. Enfin. Moi, je sais pas. On dit les liens du sang, tout ça, mais non. Mais moi, c'est mort, quoi. Là, Oui, vous êtes toujours en colère contre elle.
Ah oui, même je la poursuis maintenant. Quand je vais sur sa tombe et tout ça, je sais pas pourquoi je vais sur sa tombe d'ailleurs. C'est l'histoire de. Dès que je m'adresse à elle, enfin dans mes pensées, mais j'ai que des récriminations à lui faire. Oui, pourquoi? Et alors, c'est marrant parce qu'on est dans la ville de province où j'habite. C'était, je sais pas, j'avais quand même un nom, si vous voulez, mon nom de famille, vu la position de mon père, l'ancienneté de la famille dans la ville, tout ça. Mais les gens disaient, bah oui, c'est une dame très bien, en plus elle était parisienne, tout ça. Mais elle était enfin, dans ce qui se passait dans l'intime de la famille, mais elle était juste ingérable et complètement folle, mais complètement folle, oui, enfin, folle au sens. Oui, mais on devait dire, mais oui, c'est madame un tel, alors très bien, quoi, oui, mais non, il se passait des drames. Oui, mais c'est vrai. Elle nous a bousillés, ma sœur et moi, elle nous a bousillés, mais on s'en remet pas, hein, je crois. On fait, je dirais pas qu'on fait semblant, mais c'est juste dur, c'est... Oui, alors évidemment, ce père, maintenant, qui apparaît vraiment comme il est, enfin, comme il était... Moi, je suis j'ai enfin découvert, j'ai trouvé un sens à cette vie qui dure et qui ne finit pas. Et j'en ai été amené à penser qu'il voulait me faire passer quelque chose. Récemment, j'ai été à un repas festif dans une paroisse quelconque. Moi, c'était à l'initiative d'amis à moi qui m'ont dit, viens, on partage, on fête Noël avant Noël. Bon, je suis allé, puis je rencontre une femme. Plus âgée que moi, qui travaille dans une administration. Je l'ai trouvée sympathique, j'ai parlé avec elle, puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'elle est devenue la présidente d'une association caritative où papa a toujours, milité et participé. Oui. Et puis, je ne sais pas, j'ai vu ça comme un signe. Oui. Je me suis dit, ben, je vais marcher dans ses pas. J'ai l'impression que. Il faut que je marche dans ses pas, au moins limité dans ce qu'il était. Je sais pas, il y a quelque chose de la transmission. Oui, j'entends, mais pas limité. Quand vous dites marcher dans ses pas, c'est comme... Est-ce que vous êtes en train de dire que l'engagement, finalement, de votre papa vous parle à vous en tant qu'homme et qui vous est cher et que vous avez aussi envie d'être dans cet engagement-là, c'est ça? Oui, parce que je vais vous dire ce qui se passe. J'ai voulu. Alors moi, je suis toujours un peu double dans ma façon de gérer les choses. Je suis dans un quartier très défavorisé, on va dire, parce que j'ai pas trop de moyens, et puis j'ai trouvé plus malheureux que moi. J'ai voulu aider des gens que j'ai trouvé fort sympathiques, mais avec des problèmes, insurmontables. Moi, je suis ni médecin ni assistante sociale. Mais j'y étais avec mon bon cœur, puis je vais les aider, puis là il est arrivé un drame, donc je me suis dit, ben voilà, tout ça pour ça, t'as voulu jouer en freelance les bons samaritains, puis t'as vu, ça, finalement c'est complètement raté, donc je me suis dit, c'est aussi un signe, ça on peut pas faire, je sais pas, des fois j'ai des idées un petit peu, mais je pense que je voulais aussi me... Ça, c'est une caresse d'ego, tu dis, moi je suis tellement bon, je suis tellement gentil, moi je vais résoudre tout ça. Oui, ou sauver une partie de soi en sauvant une partie de l'autre aussi, quelquefois. Hein, oui. Sophie, c'est un petit couple, on va dire, un couple qui n'est pas. Ouais. C'est pas le mari et la femme, enfin, un couple avec un enfant, mais c'est pas le mari et la femme, c'est pas le père de l'enfant. Oui. Des gens alcoolisés, avec un lourd passif social, enfin, un petit garçon qui est gentil, d'ailleurs, qui est tout mignon. Moi, je voulais aider l'enfant, surtout, c'est des petits bonhommes, c'est vrai. Puis je pense que j'ai voulu... Moi, je voulais un petit peu le Père Noël, être là, présent, tout ça. Puis j'ai vu qu'il y avait vraiment du lourd, quoi. Ouais. Alors, c'est vrai, je rencontrais... quand ils n'étaient pas alcoolisés, ça allait à peu près. Il y avait quand même une assistante sociale qui intervenait, tout ça. Puis un beau jour, lui, j'ai bien vu qu'il était face à des difficultés parce que c'était un enfant battu, il a vécu dans la rue. Alors là, il se remettait. Bon, vous voyez bien que c'était fragile, tout ça. Puis je voyais bien que des fois, il désespérait aussi. Je voyais plutôt le petit garçon. Mais ça me touchait. Puis finalement, moi, je dis, je vais t'aider, mais je sais pas, c'était trop difficile pour moi. Total, il s'est mis à taper sur la campagne. C'est le petit garçon qui a appelé la police. Demain, il passe au tribunal. Puis voilà tout ce qu'on en a, quoi. Ouais. Donc, non seulement j'ai rien réparé, mais... Oui, vous avez essayé de faire de votre mieux. Dans ces cas-là, c'est vrai que ce qui est bien, c'est de pouvoir faire le lien avec ceux qui pourront se charger d'eux, vous voyez, avec des professionnels.
Donc d'appeler éventuellement. Mais d'ailleurs, dans les auditeurs ou dans vous-même, est-ce que dans votre pratique, par rapport à. Parce que qui que la prison. Ben, ça va être une peine de prison, c'est sûr. Mais bien sûr, il faut à un moment mettre des limites et tout ça, je comprends. Mais ça ne va rien réparer du tout. Non, malheureusement. Il va payer ta... Parce qu'il faut, il faut une prise en charge globale. Oui, il faut une prise en charge globale. Oui. Et c'est pour ça que quand c'est en amont, vous voyez, quand vous croisez ou quand on croise des gens comme ça en grande difficulté, c'est pouvoir les mettre tout de suite sur un chemin de soins et d'un chemin de prise en charge avant que les choses n'arrivent, avant d'en arriver au pénal. Ben voilà, parce que là, oui, ben en même temps, s'il accepte, peut-être qu'à l'hôpital, il y aura quand même, oui, on va lui donner quelque chose. Parce qu'il va être en manque, là, il est alcoolique, hein, quand même. Oui, et puis en prison, aujourd'hui, il y a des traitements, il y a des suivis psychiatriques. Donc il peut aussi retrouver un chemin de vie à travers ça. Mais bien sûr, beaucoup plus difficile. Et alors, je suis pas voyant, mais alors là, maintenant, on a une petite femme abîmée. Complètement alcoolisée, peut-être, avec un petit garçon qui va chez son papa une fois par semaine. Hein, c'est une garde alternée. Elle est dans cet appartement, elle est très fragilisée. Mais ils sont suivis par l'aide sociale. Mais elle est un peu. Oui, mais moi, c'est ça où je veux dire, il faut quand même signer. Parce que là, elle va se retrouver toute seule, là, le gamin, il va chez son père, elle va se retrouver toute seule dans cet appartement, seule à pas pouvoir. Enfin, je veux dire, on est. Comment alerter, c'est ça, dire qu'il faudrait peut-être renforcer. Alerter les services sociaux à la mairie, du lieu où vous habitez, bien sûr, vous pouvez le faire. Bien sûr. Mais à quel titre le titre de la connaître et de signaler qu'il y a une personne en grande fragilité auprès de vous, que vous connaissez, aller demander un conseil aux services sociaux de la mairie. Ils sont là pour ça. Ah oui. Alors comme ils la suivent déjà, mais dire que là il faut vraiment. Bah alors si elle est... après je ne sais pas, vous voyez là vous me décrivez un cas, je ne sais pas si bon peut-être elle est déjà suivie et que vous êtes excessivement touché et on le comprend par cette personne que vous connaissez. Oui mais elle m'en a fait part parce que maintenant elle se retrouve toute seule la semaine prochaine face à ses addictions et face. D'accord, donc il faut peut-être réalerter les services sociaux. Il faut l'aider ou l'emmener avec vous. Là où vous pouvez aussi l'aider, c'est qu'elle va, dans ses démarches, par exemple, si elle est un peu fragile, de l'emmener avec elle en rendez-vous, dans les démarches, auprès de l'assistante sociale, si elle a besoin. Vous voyez, vous pouvez être une aide de soutien, mais vous ne pouvez pas faire à sa place. Ah ben je sais que par rapport à l'alcool, j'ai compris. Hein, là, c'est quelque chose où on est bien modeste hein, vis-à-vis de ça, moi. Oui. Parce que non, vous assurer qu'elle est à la fois bien prise en charge et qu'elle suit bien les indications qu'on lui donne pour s'en sortir. Voilà, c'est juste être comme un vigile auprès d'elle. Ça, vous pouvez jouer ce rôle-là. Moi, ce que j'ai peur, c'est que je vais la retrouver un peu dans la semaine prochaine, complètement seule, complètement angoissée, complètement. Enfin, je vois le côté noir là, mais à mon avis, ça va être difficile. Ça va être très difficile parce que s'il la tient là, c'est son gamin finalement. Oui. Un petit. Oui. Alors, elle croit. Puis je crois. Que... Et puis elle veut peut-être pas réaliser qu'elle est quand même elle-même en danger avec l'alcool et il faudrait peut-être qu'elle. Vous sentez qu'elle n'est pas, qu'elle n'en a pas conscience complètement, qu'elle n'a pas la. Elle en a conscience, mais il n'y a pas un désir de se prendre en charge. Oui, il n'y a pas ce désir-là. Il n'y a pas le désir de s'en sortir, en fait. Il n'y a pas cette volonté. Demain, elle m'a demandé de l'accompagner à l'audience. Et vous lui avez parlé de vous, Jean-Marc, de là d'où vous venez, de votre combat personnel À demi-mot, un petit peu, mais je crois qu'ils ne comprennent pas pourquoi comme ça je suis venue dans leur vie pour leur apporter des... Mais ce serait intéressant. Oui, mais ce serait bien parce que de dire, voilà, vous m'avez parlé tout à l'heure de vos années de thérapie, de ténacité, de courage, que vous l'avez voulu, que vous l'avez suivi. Vous pouvez être un exemple pour elle. Ah oui, c'est ce que je lui ai dit. Si je t'aide, c'est que moi, il y a eu des mains tendues. Je lui ai dit, oui, je fais un petit... Non, mais elle percute bien tout ça, hein. Elle comprend bien. Oui. Elle m'aime bien. Il leur dis, je ne fais pas ça pour. Je pense que je suis foncièrement gentil et bon. Il n'y a pas de. Mais elle vous touche. Elle vous touche. Il vous touche,
ce couple, cette femme-là, leur détresse vous touche, tout touche, fait un écho dans la vôtre. Oui, très bien. Même, je crois qu'il y a des. Moi, je vois plutôt les êtres derrière tous ces problèmes. Bien sûr, mais vous pouvez. Je vois un homme et une femme. Mais Jean-Marc, ne vous dénigrez pas. Vous pouvez. C'est pas parce que vous faites rien sur un plan matériel que vous n'êtes pas dans le soutien et dans l'aide. Ne serait-ce que par votre présence, ne serait-ce que par l'intérêt que vous portez, ne serait-ce même que par votre fidélité à prendre des nouvelles, à être là, éventuellement l'accompagner à l'audience. Vous pouvez être pour elle. Vous savez, quand Surnie parle des tuteurs de résilience, elle peut être un tuteur qui l'aide à grandir, sur lequel elle peut s'appuyer en se disant, ça vaut peut-être le coup de se battre. Vous allez peut-être lui donner envie de se battre. Sans même le lui dire, juste en étant qui vous êtes, avec votre fragilité, mais votre force aussi. C'est un auditeur qui dit, en parlant de vous, qu'on sent à la fois chez vous très sensible et à fleur de peau. Vous semblez aussi avoir plein de ressources en vous. C'est Bambi qui aimerait beaucoup communiquer avec vous. Elle qui dit se poser des centaines de questions. Elle laisse son numéro que Quentin et Corentin vous donneront hors antenne. Il y a Liso qui dit l'extraordinaire attachant bon cœur et cœur si fragile. Je lui souhaite beaucoup de force intérieure pour avancer avec plus de sérénité. Oui. D'ailleurs, ça m'amène à. Parce que là, ce soir, on ne pourra pas tout évoquer. Non, parce qu'on arrive vers le journal, Jean-Marc. Et on est à la radio. Voilà. Et puis, je vous enverrai peut-être une lettre. Avec plaisir. J'ai des questions par rapport aussi à tout ce qui est justement la fin de vie, la vie après la mort, les questions spirituelles. Moi, je suis un délirant mystique au départ. Voir si. Si derrière tout ça, il y a pas, j'ai été témoin de choses. Je pense, alors je suis sur un chemin. Évidemment, on est tous en chemin. Jean-Marc, vous savez, je vais pas vous couper comme ça parce que j'aime pas ça. On vous garde et on reprend quelques minutes ensemble après le journal. Formidable. Allez, à tout de suite, Jean-Marc, à tout de suite. Europe 1, nous sommes ensemble encore pendant une heure pour parler de vous, de vos difficultés de vivre, de vos combats ou encore de vos peurs. Et ce temps de parole entre nous est important parce qu'il permet de donner un sens à ce qui vous arrive. Et le sens, c'est ce qui nous aide à vivre. Alors si vous souhaitez explorer de nouvelles pistes, atteindre un nouvel équilibre, quitter des vérités toutes faites, je vous propose de nous appeler au 3921. Quentin et Corentin vous accueillent ce soir au standard au 3921. Et c'est Andreas Papazian qui réalise et veille au bon déroulement de cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 739-21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyez un mail sur le site europe1.fr. 39-21, j'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Et on retrouve Jean-Marc avec lequel on était juste avant le journal de minuit. Vous êtes là, Jean-Marc ? Oui. Bonsoir. D'être resté avec nous. Je me reprenais un peu, je respirais, je veux revenir sur quelque chose de plus doux. Je réalise qu'il faut peut-être que je retourne par la case psychothérapeute un petit peu. Ah, pourquoi vous dites ça ? Vous savez que les auditeurs ont pas mal réagi par SMS pendant le journal et il y a Mirabel qui dit « Dites à Jean-Marc quelle belle personne il est, si les gens étaient tous comme lui, enfin on pourrait être solidaires et ensemble, bravo à lui. » Et puis un auditeur qui dit « Il faut vous apaiser pour être en paix avec vous-même après le départ de votre père. Je comprends votre état d'esprit, ma mère est décédée en septembre, elle n'était plus là, mais sous morphine et son cœur a lâché. Et j'ai aussi pensé à l'acharnement thérapeutique, dit cet auditeur. Donc, je ne sais pas, quand vous dites j'ai encore besoin, vous ressentez le besoin de reprendre un peu de travail sur vous. Quelquefois, ça se fait par tranche d'ailleurs.
Mais moi, je crois que, enfin, il y a cette phrase de saint Paul qui m'en vient toujours en mémoire. Mmh. C'est quand je suis faible que je suis fort. Et je pense que cette, je suis pas si faible que ça. Finalement, ma faiblesse, c'est ma force, en fait. Bien sûr, c'est ce qu'on entend d'ailleurs. C'est vraiment ce qu'on entend ce soir. Effectivement, je suis fort quand je suis, quand je m'accueille dans ma faiblesse. Ouais. Mais alors, évidemment, c'est quand même. Je pense que moi, il faut quand même que je suis. Enfin, je sais pas. Je suis quelqu'un de. J'ai besoin de respirer. Enfin, vraiment, j'ai besoin de travailler la respiration. J'ai besoin de. Je fais un peu de méditation. J'ai besoin de m'aérer. Oui. Alors justement, Jean-Marc, pourquoi vous feriez pas plutôt que de reprendre, vous voyez, un travail en thérapie classique que vous avez fait pendant 25 ans, de vous orienter vers la méditation pleine conscience, ce qu'on appelle le mindfulness aussi. Oui. Oui, j'habite la ville au Saint-Clocher. Il y a un prêtre dans notre qui est très en mèche avec Christophe André. Hein, voilà. Ah, donc, voilà, très en mèche, d'accord. Et oui, puis avec la comment on appelle ça, Davina, la bouddhiste, enfin la femme bouddhiste. Ça vous dit quelque chose? Oui, c'est pas. Je cherche son nom, celle qui prend dans les bras et qui embrasse, c'est Ama, c'est ça? Non. C'est, vous rappelez de l'apéro. Vous savez, de l'aérobic avec Véronique oui, et Davina. Oui, ah, elle est. D'accord. D'accord. Voilà. Et maintenant, elle fait de la mindfulness. Elle forme à la mindfulness, je crois, d'ailleurs, à la pleine conscience. Hein? Oui, elle fait est pas des loin formations. De chez nous, en fait, elle a son ashram, là. Ah, ben ça, ce serait, ça pourrait être bien pour vous, ça pourrait être un autre chemin. Oui, c'est une conférence, elle n'est pas contre les spirituels, enfin, elle prend les gens là où ils en sont, de leur spiritualité, ça, c'est pas tellement le problème. Oui, c'est pas tellement le sujet, c'est quand vous dites, j'ai besoin de trouver de la respiration, de m'apaiser, vous voyez, c'est pour calmer un peu le mental, la méditation pleine conscience. C'est justement se réancrer en soi et taire un peu tout ce flot du mental qui envahit et pouvoir se poser, se réancrer dans ses sensations, dans les sens. Oui, ben oui, mais vous savez, en tant que, j'allais dire, pour rigoler, en tant que bon Gémeaux, je suis toujours perché dans ma tête, moi. Oui. C'est plus fort que moi. Oui, ça c'est vrai, les Gémeaux, ils sont perchés dans leur tête, vous avez raison. Ouais. Ah oui, mais je m'y réfugie. Hein. Alors c'est vrai que le corps, là, avec le traitement, avec tout ça, le fait que j'ai 50 ans, je me crois éternellement jeune, mais alors j'ai beaucoup épaissi quand même, et je vois que moi qui me sens si léger comme ça, je vois que le corps, on dirait que ça. Plus je vais dans les hauteurs, plus on me rappelle qu'il faut que je sois terrestre, en fait. Je vois, il y a quelque chose d'un peu... Oui, c'est marrant, d'ailleurs, de voir. Et c'est très terrestre, la méditation. C'est de l'ancrage. Voilà. Alors, je fais quand même de l'art-thérapie. Hein. Je suis dans une démarche créative, là, tout ça, avec une art-thérapeute très jeune, beaucoup plus jeune que moi. Elle est sympa, hein, parce qu'elle a des bons outils, l'atelier, tout ça. Mais alors, je parle beaucoup, je fais peu de choses, hein, je produis peu. Mais elle ne désespère pas de me faire... Parce que j'ai l'impression que de se réapproprier la main, le geste, il sort beaucoup de choses aussi. C'est pas mal comme... Je commence un petit peu à prendre un autre canal que toujours la parole, le mental. Oui, exactement. Vous êtes prêts. Oui, mais exactement, je pense que vous êtes vraiment sur une voie intéressante, c'est que quand on est beaucoup dans la parole et dans le mental et qu'on a beaucoup travaillé sur cet axe-là, comme vous dites, c'est prendre un autre canal. Donc effectivement, comme vous le dites, l'art thérapie, la main, le regard, les sens, la méditation qui est quelque chose qui est dans le silence et dans le silence de soi, hein, où on apaise en fait tout ce qu'on est en train de se dire et les choses se posent. Et là, effectivement, vous allez comme ça explorer d'autres chemins. Mais je pense que vous êtes tout à fait prêt pour ça. Faut être humble, il faut être persévérant, il faut être. Parce que moi je papillonne toujours. Moi, je suis toujours les bulles de champagne, moi, quelque part. Oui, mais ça n'empêche pas. Mais moi, je suis vibrillonnant, finalement. Je suis toujours. Et ça me plaît, quelque part. Vibrillonnant, on pourrait dire, Jean-Marc. Hein, vibrillonnant. Oui, mais ça, vous ne l'abandonnerez pas. C'est pas parce que vous allez explorer d'autres chemins que vous allez changer la personne que vous êtes. Simplement, cette personne va s'enrichir de nouveaux aspects. C'est que cet aspect vibrillonnant que vous aimez bien et qu'on comprend que vous n'ayez pas du tout envie de quitter, et ni effectivement ce mental qui est fort et qui est là et qui vous aide et qui vous guide et qui vous aide à penser, vous n'allez pas l'abandonner. C'est simplement que vous allez développer d'autres sens, d'autres aspérités. Vous voyez, c'est le relief. Voilà, c'est comme un relief.
Et moi qui marchais beaucoup, là, il faut que je remarche, j'ai besoin d'air, moi j'ai besoin de respirer, Moi j'ai passé toute ma jeunesse sur les plages du Nord, sur la Manche et tout ça, ça me manque énormément. Ouais. J'aime le vent, j'aime les grands espaces et tout ça, j'aime beaucoup, j'ai besoin, c'est mon élément, ça a l'air. Alors il faut vous prévoir des petites périodes comme ça, vous allez prendre... Il est où votre village, c'est quoi le village au Saint-Clocher? Vous m'intriguez. Ah, c'est pas le village, c'est la ville au Saint-Clocher. Ah, la ville. Je vais donner un indice, je veux pas le donner comme ça, j'ai peur d'être reconnu. C'est la ville de naissance de Michel Foucault. Ouh là là, la ville de naissance, oui, du philosophe. Aïe, je sais. Vous allez sur Internet, vous allez le trouver. Bah oui, c'est ça. Oui, bah, je vais aller sur Internet, alors c'est promis. Parce que je vais vous dire, c'est d'ailleurs marrant, parce que si vous dites c'est une ville assez ancienne et tout ça, c'est une ville de spiritualité et tout ça, et il y a quelque chose de très particulier à cette ville, hein, et c'est marrant parce que je parlais à mon papa, quand il est parlé encore, le pauvre homme, et je lui disais, bah, tu sais papa, parce que papa c'est pas un intellectuel, hein, c'est pas quelqu'un qui fait des études, c'est le travail, lui c'est le travail, travail, et alors je lui dis, tu sais, Tu savais qu'il y a la maison de naissance de Michel Foucault. Alors, il dit, mais où? Alors, je lui donne l'adresse. Il dit, c'est la ville du bon docteur Foucault. Ben oui, c'était le papa de Michel Foucault. Mais alors, évidemment, Michel Foucault, après, il connaissait le bon docteur Foucault, il ne connaissait pas le fils, évidemment. Il ne connaissait pas le philosophe. Donc, c'est Poitiers. C'est Poitiers, Jean-Marc. Ah bah oui, ça vous l'avez dit. Oui, mais vive Internet, hein, on triche hein, avec Internet. Hein. Mais écoutez, Jean-Marc... Il fallait garder un petit peu de mystère. je suis démasqué. Vous n'êtes pas démasqué. Alors, je vous laisse avec le SMS de Christian, Jean-Marc, qui dit « Vous êtes une belle personne, monsieur, avec un grand cœur, chapeau bas. » Et puis, l'auditeur qui vous parlait de sa maman ajoute que vous pourriez continuer à parler à votre papa tant qu'il est là. Parce que même si effectivement il peut pas vous répondre, vous continuez le lien et des choses à se dire et ça peut beaucoup vous aider à traverser cette période. Vous savez, je lui ai annoncé que j'allais faire une quête et j'allais pouvoir participer à son le suivre dans ce qu'il avait fait pendant des années. Oui, et il a vraiment percuté. Il avait un grand sourire sur ses... Il avait un grand sourire, formidable. Merci Jean-Marc. Moi, je vous écoute. Non, vous dites il a compris. Non, j'allais vous couper. Vous dites il a compris. Il a compris, c'est ça. Il s'est dit tiens, j'ai pas. Je sais pas. Je suis en train de redécouvrir mon père. Je crois que ma mère c'est très beau. Oui. Oui, parce que je pense que c'est un homme. Tout le monde qui l'entoure dit. Il a été un peu caché. Oui. Oui, oui, mais c'est un saint laïque, mon père. C'est... Oui, oui. C'est la foi du charbonnier. C'est la foi du charbonnier, oui, une belle foi. Merci Jean-Marc pour votre témoignage qui nous a éclairé la libre antenne dans la nuit. Oui. Si je suis une belle personne, ben vous en êtes une autre. Merci Jean-Marc, c'est adorable. Et je voulais juste vous demander alors, si les numéros que vous... Oui, Quentin ou Corentin vont vous rester en ligne, ils vont vous reprendre là, nous deux, on se dit au revoir, et eux vont vous reprendre et vont vous donner les contacts des auditeurs qui souhaitent rentrer en contact avec vous. Merci D'accord. à vous de nous belle avoir appelés ce vous. Soir. Très belle année. Belle année je vous souhaite Sophie, encore plein aussi. De jolis chemins, Jean-Marc, vraiment. Et puis un très beau chemin avec votre papa aussi, pour la fin de la route. Continuez à faire ce que vous le faites merveilleusement. Merci bien. À vous, je vous embrasse. Au revoir, Jean-Marc. Au revoir. Au revoir, au revoir. Oui, bonsoir, Sophie. Bienvenue. Allô? Oui, bienvenue dans la libre antenne. Ah pardon, oui. Excusez-moi, parfois je place mal le téléphone et j'entends pas très bien. Alors vous vouliez parler de votre famille, c'est ça? Oui, en fait la fin d'année a fait remonter plein de sentiments, oui. Enfin comme chez beaucoup de gens d'ailleurs. Oui, les fins d'année, hein. Les fêtes qui se sont passées cette année et puis les fêtes me faisaient revivre. La même période l'année dernière où papa était en baisse physique,
mais qu'on ne pressentait pas encore que ça allait se dégrader aussi vite. Et donc, je refaisais tous les préparatifs des fêtes sans lui, en repensant à lui. Et donc, ça refait prendre de l'ampleur à toutes les émotions qu'on a traversées cette année. Parce qu'il y a eu en même temps mon père et ma sœur qui ont été gravement malades tous les deux. Fête de 2014-2015, c'est ça ? Non. Il y a un an, papa baissait physiquement depuis plusieurs années, mais il était encore debout. Il faisait encore les courses avec moi. Et cette année, par contre, puisque son décès a eu lieu en avril dernier, cette année, moi, je faisais les préparatifs pour maman, pour la famille, etc., mais sans lui. Et donc, son absence et l'approche des fêtes, quand on a des soucis, c'est vrai que c'est toujours difficile. J'ai déjà vécu dans le passé et ça a refait la même chose et ça a fait remonter parce que là, en plus, il s'ajoute d'autres choses, si vous voulez. Oui, c'est-à-dire. Et c'est d'autant plus difficile qu'il y a 20 ans déjà, j'avais perdu une de mes sœurs. Et au même moment, enfin, elle était malade, c'était cardiaque, comme pour ma sœur cette année, et moi, c'était un cancer. Et donc, on se battait toutes les deux ensemble, et puis, elle a été vaincue, et moi, je m'en suis sortie, mais démolie physiquement et moralement, parce que son absence était un manque terrible. Quoi. Oui, surtout que vous battiez Et puis le temps a passé, on a réussi. Moi, j'ai mis un temps fou, même si j'ai repris des activités normales, mais j'ai mis un temps fou à surmonter ça. Et cette année, en 2015, j'ai vu sous mes yeux le même scénario se dérouler entre mon père et une autre de mes sœurs, la même maladie, la même anomalie cardiaque qui dégénérait. Papa, vu son âge, malheureusement, on nous a prévenu assez vite qu'on ne pouvait pas le guérir, mais c'était un peu la loi de la vie. Tandis que pour ma sœur, à 60 ans à peine, ses enfants et elle se sont battus pendant 4 mois. Et alors que tout allait mieux, il l'avait sauvée avec une opération très compliquée. Et elle reprenait un espoir de vie et d'un seul coup, elle a eu un malaise brutal. Et donc, à 2 mois d'écart, on a perdu papa et sa dernière fille. Quoi. Et puis, quand ma sœur est décédée brutalement, donc ça a été terrible, on a appris ça, elle est partie dans l'après-midi sans qu'on sache ce qui nous arrivait. Il y avait eu juste avant, quelques semaines avant, une dispute qui aurait dû rester insignifiante, mais qui, pour ma sœur et ses enfants, a pris une ampleur particulière parce que j'ai compris après, je ne le savais pas moi, mais ils avaient fait des projets à propos de notre alternance dans la maison de famille l'été. Et bon, il y a eu des maladresses, des quiproquos, des non-dits, des deux côtés, etc. Et puis, bon, elle devait d'habitude aller avec ses petits-enfants, mais vu son état cette année, elle ne pouvait pas les prendre. Donc je lui avais dit, quand moi je pars, on part ensemble. Et elle m'avait dit oui. Puis après, j'ai su que vraiment, elle ne prendrait pas ses petits-enfants. Donc, j'ai pas proposé. J'ai dit, à ce moment-là, moi, ça me ferait bien envie de rester un peu plus. Bon, c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que c'est notre organisation familiale qui fait qu'il y a un enjeu fort tous les étés de se retrouver là-bas, tous ensemble. Alors, certains dans la maison de famille, d'autres dans une location, c'est une habitude. Et puis, non seulement ça n'a pas pu se faire comme on le voulait à cause de son décès, mais surtout, il y a eu ce terrible conflit avant. Et ma sœur et ma nièce ne m'ont rien dit, mais se sont tellement fâchées qu'elles ont voulu venir en discuter avec maman. Enfin, elles ont voulu défendre... Ma sœur ne pouvait pas parler parce que depuis son opération, on lui avait touché une corde vocale et donc elle parlait tout bas. Mais sa fille, qui portait sa mère depuis 4 mois, ne s'avouait pas vaincue et est venue un peu défier maman et essayer de la persuader, de changer la donne. Et ça s'est très mal passé entre maman et sa petite fille, donc la fille de ma sœur. Elles sont restées toutes... Elles ne sont pas venues aux mains, mais les paroles ont été de maman ont été très dures parce qu'elle restait sur ses positions, elle voulait défendre sa fille, elle voulait la protéger, elle ne voulait pas qu'il lui arrive ce qui était arrivé à son autre fille 20 ans avant. Et donc, elle devenait
pas du tout juste dans ses raisonnements. Donc elle a été trop loin. Oui. Ma nièce était aussi très vindicative et ça oui, surtout que mal. Votre nièce défendait aussi elle sa mère. Chacune défendait la même personne. Elle défendait sa mère, voilà. Oui, chacune puis, défendait la même personne de façon différente, sur deux points de vue différents. De façon totalement oui, différente. Je comprends. Moi, j'étais au milieu de tout ça, parce que oui. C'est moi qui avais mis le feu aux poudres en disant oh ben, qu'est-ce que t'as pas les petits-enfants, je pourrais rester jusqu'au moment où moi, chaque année, je laissais ma sœur occuper la maison pour aller prendre une autre location. Mm-hmm. Et puis, ben, j'étais pas là en juillet parce qu'elle avait ses petits-enfants, etc. Donc bon, il y a plein de choses qui se greffent là-dessus, mais quand son décès est arrivé, ça a littéralement enflammé la colère de ses enfants. En particulier, au début, c'était contre maman, puis après, ça s'est vraiment porté contre moi, parce que c'est moi qui avais empêché le rêve qu'ils avaient fait de passer du temps avec leur mère là-bas. Parce qu'elle ne m'avait pas dit, d'accord. Quand moi, j'avais parlé de ça, ni l'une ni l'autre ne m'a dit bah, « Écoute, on a un problème, elle tu nous avais dit au départ. Oui. » Non, elles ne m'ont rien dit, mais c'était le problème avec cette sœur-là, c'est que on n'a jamais eu un lien proche et tendre comme j'ai mm-hmm. avec mes autres sœurs. C'est-à-dire qu'on est très différentes. En apparence, on se ressemble pourtant, mais au point de vue caractère, elle est très fermée. Du jour où elle a été adulte, elle a vécu sa vie en sachant la vivre en dehors des parents, même si on se retrouvait aux fêtes de famille, aux vacances, etc. Mais au quotidien, elle vivait à part. Et puis elle a élevé ses quatre enfants, et puis son mari avait un fort caractère, et elle aussi, donc c'était aussi bien qu'ils soient sur leur rail à eux. Et puis moi, c'était l'inverse, moi je ne me suis pas mariée, je n'ai pas eu d'enfants, donc moi j'ai beaucoup vécu à travers la famille, mais du coup j'ai beaucoup été proche de mes parents, et plus ils vieillissaient, plus j'étais proche d'eux, et plus mes parents sont restés ma famille en fait. Et donc ben, y a là-dessus tout ça, c'est sur un fond de... J'ai compris avec le temps, parce que ma sœur aînée, qui est encore là avec nous, on était quatre filles au départ, et ma sœur aînée qui a été totalement bouleversée par le départ de notre dernière sœur, elle a pris fait et cause pour ma sœur, pour ses enfants, et au début, ben, moi j'étais la fautive, quoi, presque la criminelle. Quoi. Ah, donc et toute cette histoire a divisé la famille en plusieurs camps, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, votre sœur aînée avec les enfants de votre sœur décédée, et de l'autre côté, vous et votre mère, en fait. C'est ça, le clivage, aujourd'hui. Voilà, mais après, ça a évolué, parce que moi, je me suis rendu compte, alors c'est là que j'ai besoin de vos conseils, parce qu'au début, je n'avais qu'une envie, moi, j'aime pas les conflits, j'aime que les choses soient expliquées, clarifiées, même si c'est désagréable, mais il vaut mieux savoir. Et je me disais, il y a tellement de souffrances et de malentendus, il faut que je leur écrive ma version pour qu'ils comprennent que je n'ai pas eu de mauvaise intention, que je savais qu'en étant sur place, j'en empêchais peut-être certains de venir, mais puisque ma sœur devait être protégée dans sa convalescence, ma présence seule était plus rassurante que si c'était une bande familiale qui arrivait à la rejoindre. Je ne pouvais pas leur dire ça vraiment comme argument. Mon argument, c'était, bah, puisqu'il y a la place... je vais prolonger mon séjour avec toi puisqu'elle avait déjà accepté qu'on soit ensemble, ce qui pour moi était une belle victoire. Mais après, je me suis rendu compte qu'ils étaient tellement à vif que si j'écrivais quoi que ce soit, d'abord je serais forcément maladroite par rapport à leurs sentiments, il fallait que je m'abstienne. Ouais. Et je me suis dit, la meilleure solution peut-être pour l'instant, c'est de faire le gros dos, de laisser passer. Mais ça a été insupportable tout l'été parce qu'on était à distance visible pendant le temps d'été à la plage. Et il y avait ces regards noirs, les enfants ont été dressés contre moi. Et le vide est laissé par ma sœur et ses enfants. Ouais. Alors ma sœur aînée, elle, j'ai réussi, je lui ai écrit, je lui ai donné ma version des éléments, comment ça s'était déroulé pour lui montrer ma bonne foi et mon envie que les choses n'en restent pas là. Et elle m'a dit, après, elle m'a dit, ah, c'est quand même bien, maintenant j'ai la version des deux côtés. Et j'ai d'accord. compris que ça sous-entendait que ça rétablissait un climat plus normal pour elle, en tout cas. Et elle a fait manifestement des efforts, à la fois auprès de maman, qui depuis a pris un terrible coup de vieillissement, de l'âge, de la santé, de la mémoire, de tout s'est écroulé. Elle a tenu jusqu'aux vacances, mais après les vacances... Oui. Et avec les enfants ?
avec les enfants, c'est le vide total. Ils n'ont pas répondu à mes messages. J'ai essayé. Et c'était quoi vos messages? C'était quoi la teneur de vos messages? C'est-à-dire le premier, malheureusement, j'avais envoyé un message d'anniversaire à l'un de ses fils, parce que malgré la fâcherie, je pensais pas que c'était à ce point-là, quoi. Malgré l'explication orageuse, en fait. Et son fils avait son anniversaire en juin, donc je lui ai envoyé, comme je fais toujours à chacun de mes neveux, un message. Malheureusement, moi, je n'avais pas été informée le jour même du décès. Donc il a reçu mon message d'anniversaire le soir où il venait de perdre sa mère. Et dès le lendemain, je lui ai envoyé un message d'excuse en lui disant que j'étais désolée, effondrée de ce qui leur arrivait, que j'étais de tout cœur avec eux, etc. Pas de réponse. Le jour de l'enterrement, ça a été effroyable pour moi en émotion, avant, pendant et après, parce que j'avais l'impression qu'un clash allait se passer. Tout le monde était sur la défensive. Quand je suis arrivée, j'ai pris chacune de mes nièces dans mes bras parce que je n'avais pas eu l'occasion de leur parler avant. Et une d'elles, je l'ai serrée dans mes bras en lui disant « il faudra qu'on arrive à se parler ». Et j'ai senti qu'elle se raidissait, qu'elle s'écartait de moi avec un regard noir. Et ils n'ont pas parlé à maman avant la cérémonie, ni après. Ils nous ont tenus à distance. Et puis un autre qui avait son anniversaire en septembre, donc j'ai évité les mots de joyeux anniversaire, oui, mais je lui ai dit que je pensais très fort Christine, à lui Christine, je vous arrête juste parce que sinon, on va se perdre dans beaucoup de détails dans les histoires de famille. Oui, oui. Alors, effectivement, vous avez raison, toutes ces choses-là comptent, mais j'ai le sentiment qu'il y a, vous voyez, il y a dans toute cette histoire que vous racontez à la fois beaucoup d'incompréhension et d'un manque d'empathie, c'est que si vous restez centré, moi c'est ça que j'entends dans tout ce que vous racontez, je vous sens très coupable. Enfin, je sens que vous sentez très coupable et que votre culpabilité vous met d'ailleurs. C'est pour ça que vous êtes là à tout raconter parce que en fait vous êtes en train de me donner votre version pour que je prenne votre défense en quelque sorte mais je comprends bien Christine je vous dis juste ça parce que je sens à quel point dans votre posture par rapport au reste de la famille aujourd'hui et que cette culpabilité vous met là-dedans dans un système de défense de dire et vous avez bien fait quand vous avez commencé à raconter que vous alliez écrire votre version et vous avez renoncé, vous avez bien fait. Heureusement que vous ne l'avez pas fait. Oui, parce que ça, voilà, votre version allait sonner comme je cherche encore à vous convaincre que j'ai bien fait. Je ne peux plus. Avec non, le mais c'est pas le sujet. C'est impossible. C'est, voilà, de mais c'est plus le sujet, sujet. Christine. Non. Le seul sujet non. aujourd'hui qui compte, c'est de revenir sur cette histoire, mais pas sur ce qui s'est passé. On explique de qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit, qu'est-ce qui aurait pu être. C'est j'ai besoin d'écouter ce qui vous a blessé dans cette histoire-là. Ils ont besoin de parler. On rejoint finalement l'histoire de Tina, du début d'émission, qui était brouillée avec son fils. Ça m'a beaucoup touchée. Parce qu'on en est là, c'est qu'à un moment donné, chercher l'explication du comment, du pourquoi, ce que vous venez de nous faire, mais vous vous perdez dedans et deux, vous vous rendez coupable de ce qui s'est passé et on ne va pas réécrire l'histoire comme elle s'est passée. Par contre, il y a des enfants qui se sont braqués, qui ont été blessés, qui se sont sentis incompris. C'est leur vécu. Hein, on peut pas dire c'est juste, c'est pas juste. Maintenant, quoi faire de ça? Revenir vers eux pour dire il faut qu'on vous entende là-dessus, quoi qu'ils aient à dire. Oui. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'aînée de mes nièces, donc celle qui a été vraiment la plus forte à porter sa mère et donc la plus détruite de ce qui s'est passé, elle m'a signifié par écrit. Et en me traitant presque d'imbécile, qu'elle ne souhaitait plus avoir aucun contact avec moi, ni que j'en ai avec ses enfants, et que la situation était irrémédiable. Je me suis dit, c'est des mots qu'on dit dans la colère, et les autres neveux et nièces de la famille, parce que c'est une famille nombreuse, et j'ai beaucoup d'autres neveux et nièces. Mais avant, vous dites qu'il y a eu un avant où la famille était assez unie. Ah, très unie. D'accord, donc il y a une grosse crise là au moment du décès de votre sœur qui et révèle... Je me demande si je ne me suis pas trompée sur ma place dans la famille parce que je me croyais à ma bonne place. C'est-à-dire celle la qui... tante qui n'a pas d'enfant mais qui s'intéresse absolument à tout le monde, qui participe à tout. Qui fait du lien, et qui crée du lien, voilà. Oui.
Et voilà, et puis je me dis, ben ce rôle est complètement, pas explosé, mais... Pourquoi Parce que l'attitude de mes neveux et nièces qui me ferment la porte du jour au lendemain et qui ne veulent plus m'entendre... Oui, remettent en cause, le rôle... Je crois que c'est leur douleur. D'accord, remettent en cause le rôle que vous vous êtes donné à vous. Hein. Ce n'est pas un rôle qu'on ne vous l'a pas donné, vous vous l'êtes donné, vous le tenez. Oui. Voilà, et vous le tenez. Place, il se trouve que... Voilà, mais il se trouve qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, vous n'êtes plus en mesure de le tenir, puisqu'on vous empêche de le tenir, et c'est celui que vous aimez tenir. Donc vous êtes en souffrance là-dessus, en tout cas. Je suis privée des petits et des grands, et de partager leur souffrance, quoi. Exactement. Donc, peut-être, d'ailleurs, souvent, hein, et je me rends compte dans cette émission, quand il y a des témoignages comme les vôtres et comme celui de Tina, vous exprimez très bien les choses à moi, vous voyez, à l'antenne, sur ces aspects de conflits de famille. Et souvent, la seule chose que j'ai à vous dire, mais dites-leur ça. C'est-à-dire, dites-leur, voilà jusqu'à présent comment je me suis vécue dans la famille, la tante sans enfant qui crée du lien. Je pensais tenir une juste place et pouvoir faire du bien à tout le monde parce que c'est ça qui, à moi, m'en fait. C'est ça que j'aime faire et j'aime être. Et puis, il y a eu cette terrible rupture, cette cassure, cette maladresse, cette incompréhension. Sans doute des éléments qui ne se sont pas dits. Je vois bien que vous m'en voulez. J'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé, bien que je puisse comprendre qu'il y a eu des maladresses. Mais j'ai surtout besoin d'entendre ce qui vous blesse. Et qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous souhaitez qu'on continue à rester dans cette rupture et ce conflit? Mais même eu égard au souvenir de leur mère, vous aviez quand même un lien avec votre mère. Et puis, il y avait toujours, avec leur mère, il y a toujours cette sœur aînée. Voilà, tout ça est un peu triste. C'est même c'est du gâchis. Avoir été aussi unis et puis, mais je pense que en fait après l'explication entre maman mais c'était peut-être trop et essentiellement assez unis, sa petite fille, je pense que ma sœur en sortant de l'entrevue a dû exprimer à sa fille tout son ressentiment et dire c'est fini, je me laisserai plus piéger, je ne veux plus me laisser avoir au centre. Donc la fille reprend un combat contre la famille. Pour eux, elle est partie dressée contre nous. Et je pense que peut-être pour eux, ils auraient peut-être le sentiment de la trahir. Je comprends. A posteriori, en acceptant de faire la paix. Et c'est ça qui me... Et je me dis, il faut peut-être que je renonce à essayer à tout prix de faire la paix. Il faut peut-être que d'autres neveux m'ont dit, Christine, il faudra du temps, il faut laisser passer du temps et peut-être des années. Oui, alors, mais là, vous donnez une explication intéressante. Je ne sais pas si vous aviez des liens avec cette nièce, notamment. Je ne sais pas comment vous vous entendez avec elle, celle qui a eu cette altercation avec, avec votre maman. Peut-être revenir vers elle avec la compréhension que vous en avez là, de comprendre ce que votre sœur a pu lui confier sur les difficultés d'entente avec sa propre mère. Est-ce qu'elle a envie d'en parler éventuellement avec vous? Mais encore une fois, je ne sais pas si vous avez un lien suffisamment fort. Elle a un caractère tellement fort et tellement dominateur, je dirais même. C'est ma nièce et quand je devais parler de mon projet de vacances, j'avais peur à l'avance. Je me disais comment je vais le formuler pour qu'elle ne le reçoive pas comme un défi, comme une interdiction de sa présence, alors que c'est la mienne qui prendrait le pas. Enfin, je suis pas à mon aise avec ce genre de personnalité, parce que moi, j'ai jamais été à l'aise dans les conflits. C'est d'ailleurs un peu, je pense, ce qui faisait que ma sœur me méprisait un peu, dans le sens où moi, j'étais pas combative et que du coup, j'avais qu'à rester dans mon coin. Oui, c'est un peu ça, quoi. Oui, mais dans le conflit, enfin... Vous voyez, accepter le conflit, c'est pas forcément être combatif, c'est pouvoir entendre les choses qui sont dites, même les plus désagréables. On peut être tout à fait très pacifiste et pouvoir entrer dans un conflit, parce qu'un conflit, ça peut être très sain. Un conflit, ça veut dire on n'est pas d'accord et on a des choses à se dire sur lesquelles on n'est pas d'accord. Donc un conflit, c'est pouvoir entendre ce que l'autre a à dire sans vouloir absolument le convaincre qu'on a raison. Et tout le problème du conflit quand il s'envenime, c'est-à-dire quand il tourne vraiment à la guerre, et là on n'est plus dans le conflit, on est dans la guerre, c'est quand chacun tient ses convictions et dans son bon droit. Donc si chacun a raison, chacun a tort aussi. Et la personne ne bouge.
Donc, le conflit, c'est permettre que chacun puisse s'entendre et se parler et ne pas chercher à convaincre l'autre qu'on a raison. C'est pour ça que je reviens sur votre idée où vous vouliez donner votre version. Votre version aurait sonné encore comme un élément de guerre parce que ça aurait été rajouté sur « moi, je vous donne ma version, mon explication des faits contre la vôtre ». Voilà. Et ça aurait été reçu contre. Là, il ne s'agit plus de savoir qui a raison. Parce que chercher à savoir qui a raison, c'est comme ça qu'on fait des guerres. Arriver à avoir à être dans la paix, c'est pas chercher à avoir raison ou à avoir tort. Le sujet n'est pas là, c'est comprendre. C'est juste écouter. Et là, il y a, comme le dit d'ailleurs Alizo, une douleur comme source du conflit, mais une douleur à écouter. Il y a quelque chose de douloureux à entendre. Alors peut-être que la famille n'est pas prête à en parler, à l'entendre. Est-ce que ça pourrait être... Alors là, je vous lance comme ça une idée qui me vient, mais est-ce qu'à l'anniversaire du décès de votre sœur, par exemple, donc de leur mère, est-ce qu'on peut imaginer que alors peut-être pas une initiative peut-être de votre sœur aînée, plutôt de réunir la famille en son souvenir autour d'une réception où on puisse évoquer son souvenir et permettre dans l'évocation de ce souvenir de dire voilà, il y a sans doute eu des maladresses et des choses douloureuses de votre part et peut-être qu'elle vous a confié des choses difficiles. Et c'est quand l'anniversaire ça sera dans 6 mois. Mais... Dans 6 mois, oui. Ouais, mais là, comment se sont passées les fêtes de Noël et de Nouvel An? Vous êtes vus ou pas du tout? Du tout. Et puis ma sœur aînée qui fait beaucoup le lien aussi, oui. Ça, des amis de la famille qui envoient un message de nouvelles de la famille tous les ans. J'ai vu que dans le message collectif qu'elle nous envoie à nous aussi, elle a exprimé à quel point elle était malheureuse de ces dissensions dans la famille, etc. Et qu'on risquait d'en rester là avec les... Elle a utilisé une formule que j'ai pas aimée du tout, mais je sais que c'était pas moi qui le disais, avec les têtes de lard qu'on a dans la famille... On a plus d'espoir que ça bouge. Elle a l'air de dire les gens sont sur leur position et ne veulent pas en démordre. C'est très maladroit. Ça veut dire qu'elle montre du doigt des mauvaises têtes. Ceux qui ne veulent pas changer. Oui. Voilà, exactement. Et moi, ça m'a choquée de lire ça. Oui, bien sûr. Et maman qui a lu le message aussi, elle m'a dit les têtes de lard, c'est qui tu crois que c'est pour nous ? Ou pour moi, je ne sais plus si elle a dit nous ou moi. Mmh. Alors je lui ai dit, écoute, tu sais, au stade où on en est, je préfère ne même pas me poser la question, parce que même si c'est ce qu'elle pense, ça ne fait pas avancer le bouchon, donc demander qui elle dit. D'accord. Et vous avez répondu non à Smel, non ? Non, mais j'en suis au stade où je n'ose plus rien tenter, parce que chaque parole peut être mal interprétée. Oui, mais il y a tenter sans justement chercher à rentrer dans le sens que eux donnent. Vous pouvez rentrer dans ce mail avec ce qui vous anime, vous, très personnellement, en ne parlant que de ce qui vous anime, justement, et en n'essayant pas d'imaginer ce qu'il faudrait dire. Et là, je vais vous lire le SMS de Sam, qui va tout à fait dans le sens de ce que je voulais vous dire, qui dit « Il faut savoir s'excuser, car la situation est amplifiée par la perte de la maman d'Agnès, qui sont en grande souffrance. Il faut passer dessus. Nous avons vécu une situation similaire et un simple pardon fait du bien. » Si vous vous sentez, Christine, dans l'énergie, je parle pas là de pardon, mais d'un mail d'apaisement et de compréhension, pour souhaiter, d'ailleurs, et comme on est début 2016, pour souhaiter que 2016, voyez, en faisant l'impasse sur l'aspect tête de l'art, vous faites celle qui n'a pas vu, qui n'a pas lu. Je ne vais pas relever le mot. Voilà, vous ne le relevez pas, mais vous ne relevez même pas l'idée. C'est-à-dire que vous êtes pleine d'espoir en 2016. Vous allez prendre une autre position vis-à-vis de ce mail et de votre sœur en disant que vous avez envie de garder espoir parce que ça vous tient à cœur que la famille retrouve du lien, que peut-être c'est trop tôt, peut-être c'est le moment, que vous ne savez pas. Vous voyez, vous pouvez laisser ça en suspens. Les questions que vous vous posez sont les bonnes. Posez-les, mettez-les au centre et laissez les autres s'en emparer. Parce que là, vous êtes avec vos questions, vous dites « aïe, j'ose pas, parce que sinon, je vais faire une gaffe ». Mais vous avez peur que ce soit trop tôt, en fait, par rapport à l'ampleur de leur souffrance. Ils le décideront. Oui.
Parce que là, vous faites les questions et les réponses. Oui, j'avais pas pensé que je pouvais écrire en réponse à ce message qui s'adressait à tout le monde. Mais en justement, fait. Donc, vous allez rentrer dans le groupe via le mail avec une réponse qui vous est très personnelle. Mais vraiment... Surtout que ça fait des mois que ça tourne dans ma tête. Alors la réponse, elle est déjà prête parce que ça m'obsède littéralement. Quoi, et ça me démolit. Quoi. Alors attention, vous ne cherchez pas à rentrer dans une explication ou une défense de votre non, non, on est d'accord. Ce que vous dites. Oui, bah, pas j'ai bien senti qu'il faut y aller très légèrement. Et mais dans le souhait qu'il y ait la paix et que si la paix doit passer par le fait de pouvoir se dire des choses difficiles, entendre des choses difficiles, que la famille est assez solide, vous estimez, voyez, d'être positive, que vous estimez que la famille en a vu d'autres, qu'on a vécu des maladies, des décès dans cette famille, que vous avez porté chacun d'entre vous des choses très lourdes, vous aussi la maladie, façon de rappeler que cette famille a vécu des choses douloureuses, qu'elle est donc armée pour faire face à des choses difficiles et que vous croyez en assez d'amour qu'il y a dans cette famille pour qu'elle puisse retrouver une union et une paix. Oui, allez chercher, je ne sais pas, imprégnez-vous avant de messages, rentrez en vous-même pour aller y chercher la paix, l'amour, le lien, les valeurs qui vous sont chères. Écrivez en vous connectant, parce que ce que j'entends de vous, c'est quand vous me dites, moi, ma place, sans enfant, tout ça, c'était de créer du lien, de faire du lien. Donc, j'entends que votre valeur est là. Et vous allez aller vous connecter à cette valeur-là. Et c'est cette valeur que vous allez transmettre ou faire transparaître dans le mail. Donc, ce sont vos convictions très profondes et très personnelles sur ce qui se passe que vous allez écrire. Ouais. Vous avez mouillé votre chemise, en d'autres termes. Mais pas pour... Oui, il faut que j'aille sur la pointe des pieds, que je ne revienne pas dans mon réflexe. J'ai pas voulu d'ailleurs vis-à-vis d'eux expliquer ma démarche qui les avait tellement frustrés en fait, parce que je sais bien ce qu'ils ont éprouvé, donc il faut pas que je revienne là-dessus, c'est certain, il faut que je revienne sur du futur, mais je sais pas si c'est encore le moment. Attention, parce que à force de rentrer dans je comprends bien ce qu'ils vivent, comme ça a été douloureux pour eux et tout, vous alimentez votre culpabilité. Et donc ça, vous marchez, comme vous dites, sur des œufs. Et marcher sur des œufs... Ah non, quand je parle de leur souffrance, pas par rapport à ce que j'ai fait moi, mais par rapport à l'absence de leur mère. Voilà, c'est à ça que je pense. Pour eux, c'est ça la dispute avec moi. Je pense qu'elle est presque secondaire par rapport à ce décès. Oui, mais ne les victimisez pas. Ce n'est pas de ça dont ils ont besoin. Ils vivent le deuil de leur maman. Bon. Mais ne les mettez pas dans des postures de victimes et d'enfants très malheureux, parce que vous allez prendre un air de commisération dans votre mail qui manquera de souffle et de positif. Donc il n'est pas, l'idée c'est pas de leur passer la pommade et de faire du cocooning, et c'est pas de ça, parce que là ils vous attendent avec des couteaux dans le dos si vous faites ça. Hein. De quoi elle se mêle, on n'a pas besoin de sécher nos larmes avec elle, en quelque sorte. Donc là, vous risquez de ne pas comprendre qu'on vous referme encore une fois la porte au nez. Non, lâchez votre côté... Voilà, alors vous lâchez votre côté bon sentiment. C'est très bien d'en avoir, hein, mais point trop n'en faut là, dans une situation où vous avez des nièces un peu tendues qui vous voient arriver avec un côté un peu trop... un peu trop bon sentiment à vouloir les coucouner. Ils sont pas là-dedans, c'est pas ça qu'ils attendent de vous. Par contre, que vous veniez avec de la force. Et là, je reviens quand vous disiez tout à l'heure, ah, mais j'aime pas beaucoup, moi, le conflit, mettre mon poing sur la table. Affirmez-vous, là, c'est une bonne situation pour vous de vous affirmer, justement pas dans le conflit, mais de vous affirmer avec vos convictions profondes de paix, de lien, de ce à quoi vous tenez. Et vous parlez de vous. Et vous partez de vous en parlant. Mais vous partez pas d'eux. Ouais. Parce que quand vous me parlez, vous partez de l'extérieur, des autres. Oui, mais eux, ils vont penser ça. Alors du coup, je dois faire attention, etc. Non, non. Vous prenez pas de gants, là. Vous prenez pas de gants avec les autres parce que vous êtes beaucoup plus authentique. Et ça, ils vont l'entendre. Oui, justement, je cherchais depuis ces événements. Soyez authentique. À être transparente, à être absente, à ne pas me voir plus, qu'on ne me croise plus. Non, mais oui, j'entends c'est votre tout message l'inverse. Et je me dis qu'effectivement, il faut que vous allez vous imposer avec beaucoup de paix, beaucoup d'authenticité, pour ne pas
en remettre une louche là sur les, j'allais dire presque sur des ragots, parce que quand dire qu'il y a des têtes de lard dans la famille, votre sœur, elle n'aide pas vraiment à la paix, quoi. Parce que quand on monte du doigt, qui que ce soit, hein, les têtes de lard, mais vous voyez, c'est pas trop. Non, je pense que c'était ses sentiments qui débordaient et que dans son message, elle a parlé avec fougue, sans mesurer la portée de son expression, quoi. Et c'était peut-être pour faire prendre conscience à certains que justement qu'il fallait bouger un petit peu, mais bon, moi j'aurais pas. Oui, mais c'est un peu, c'est un peu hard, quoi. Vous voyez, c'est un peu, c'est un peu la manière forte, quoi. C'est vous y mettez pas du vôtre, alors c'est sûr qu'avec les têtes de l'art qu'on a dans la famille, on risque pas d'y arriver. C'est un peu secouez-vous. Oui, oui, mais c'est pas ça. Alors venez-vous, comme le dit Valet de Cœur, hein, en résumé, et on va se quitter là-dessus, Christine. En résumé, ne soyez ni juge ni parti pris, mais médiatrice bienveillante et ferme. C'est bien dit. C'est Valet de Cœur qui nous dit ça. Jolie formule. Oui, c'est ça. Ni juge, ni parti pris, mais médiatrice bienveillante et ferme. Et j'aime beaucoup le mot ferme. Hein. Fermeté, bienveillance. Oui. Gardez ça, Christine. Je note ça. Super. Précieusement. Merci beaucoup tout cas pour vos conseils. Oui, beaucoup de courage et beaucoup de paix. Merci. Beaucoup de paix en 2016 pour vous. Au revoir, Christine. Je vous embrasse. Au revoir. On se quitte sur la voix et la très belle chanson de Michel Delpech, Loin d'ici. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. Je vous souhaite une très belle semaine. Pour ceux qui reprennent le travail demain, beaucoup, beaucoup de courage. Vous retrouverez Caroline Dublanche demain soir jusqu'à jeudi. Et nous, on se retrouve vendredi 23h. Belle semaine à vous tous et très belle nuit à vous. Au revoir.